Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième numéro de Rhythm Fighter. Ça devient récurrent, chaque mois je débute l'émission en vous disant merci, mais vraiment merci, merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup de partager l'émission. Et merci de partager votre passion de la musique des jeux de combat. Cela génère des conversations très intéressantes, ça soulève des questions et ça nous fait parfois découvrir des anecdotes. Donc merci, merci. Le mois dernier, nous avions laissé nos 8 Street Fighter se reposer après 2 mois de combats intensifs. Eh bien, ce mois-ci, nous allons nous diriger vers les 4 derniers, les 4 personnages non jouables de ce premier jeu de référence du genre. Mais avant de commencer cette émission un petit peu spéciale, j'avais envie de revenir sur des éléments qui peuvent paraître évidemment complètement convenus aujourd'hui, voire totalement évidentes. Mais je voulais nous replacer dans le contexte de l'époque. Lorsque j'ai découvert Street Fighter 2, nous étions en 91 ou 92, et j'étais un jeune adolescent, j'avais déjà joué au premier jeu, je ne m'en souvenais absolument pas à l'époque. Et lorsque j'ai mis les doigts la première fois sur la borne, il n'y avait que 8 personnages qui étaient disponibles. À aucun moment, de base, on vous donne une information pour vous dire qu'il y en aura d'autres. Et lorsque la première fois, j'ai enfin battu le 7e personnage, parce qu'à l'époque, il fallait battre l'ensemble des personnages qui étaient sur la map, quel ne fut pas mon étonnement lorsque je vis 3 nouveaux visages s'afficher à l'écran. Tout ça ne dure qu'un très court instant, et l'avion qui vous permet de se déplacer de personnage en personnage se dirige soudainement vers l'un de ces 3 personnages. Le round démarre, et là on comprend qu'il y en a d'autres des personnages. Bah il y en a 3 autres! Waouh! Et le premier de ces 3 personnages, quel est-il? Lorsque l'on se bat contre ce boxeur la première fois, le match y dure pas très longtemps. On ne connaît absolument pas le gameplay ou les patterns du personnage. Tous les coups semblent étranges, le stage brille de partout, et puis le personnage fait super mal. Oui, le nom du personnage. Ah ben le nom du personnage, c'est... Ah oui, tiens, c'est une bonne question. Alors on avait dit, vous vous souvenez, dans cette émission, qu'on userait plutôt des noms qui sont arrivés jusque chez nous. Donc on va parler ici de Balrog. Mais c'est vrai que le personnage au Japon, il s'appelle Mike Bison. Et si je pense que c'est une anecdote que tout le monde connaît plus ou moins aujourd'hui... Le choix de Capcom USA à l'époque avait été d'interchanger les noms pour éviter le lien direct qu'on pouvait avoir entre le boxeur noir américain que pouvait être Mike Tyson et Mike Bison qu'on avait évidemment dans ce jeu. Donc chez nous, bah, c'était tout simplement un Balrog. Ceci dit, quand on sait ce que c'est qu'un Balrog dans certaines mythologies en général, on peut imaginer ou concevoir effectivement qu'il a un côté démoniaque et puissant. Donc bon, ça collait plutôt pas mal finalement. Le stage de Balrog, il se passe à Las Vegas. On est dans un environnement ultra lumineux. On a des danseuses qui sont en train de réaliser leur show pendant que vous êtes en train de vous battre. Et puis bah vous, la première fois, il faut faire avec. Alors la première des particularités de Balrog, c'est qu'il n'utilise pas du tout ses pieds. C'est un véritable boxeur dans le sens boxe anglaise. Et le morceau rock jazzy qu'il va nous proposer ici est clairement typiquement américain. Et je vous propose qu'on démarre le premier round maintenant. We'll be right back.
un boxeur, c'est vraiment un personnage à ce moment-là, on est d'accord, qui ne peut pas du tout être joué par un autre joueur. Donc Capcom s'est permis de lui mettre des coups qui font extrêmement mal. Il a notamment ce qu'on appelle aujourd'hui le Turn Punch, qui fait des dégâts absolument astronomiques. On ne sait absolument pas à quel moment il faut garder, il faut éviter le coup. Moi, je vous avoue que quand j'arrivais devant lui, les premières fois, j'essayais d'utiliser tous les coups qui me permettaient d'être un minima invincible. Et comme je jouais Ryu, j'utilisais le plus souvent possible sur les coups le Shoryuken qui me permettait d'arriver à placer des frames qui faisaient que j'étais plutôt en sécurité. Il fallait bien lire le jeu parce que tout simplement, si jamais vous le faisiez dans le vide, vous étiez totalement à la merci d'un premier stun qui très souvent s'enchaînait sur un deuxième derrière, suivant le réglage de difficulté qui avait été mis sur la borne. Alors quand on commence à connaître le personnage, ses patterns, quand on commence à maîtriser réellement le jeu, en fait, Balrog ne vous offrira pas beaucoup de difficultés. Mais je peux vous garantir que, remis dans les contextes d'époque, ce personnage était quand même super dur, et puis on avait du mal à comprendre ce qui se passait au départ, et pourtant, la lecture est assez simple. Le personnage, il bouge à peu près toujours de la même façon. Il vous fonce dessus, il frappe. De temps en temps, il esquive certaines de vos attaques en sautant. De temps en temps, il vous saute dessus. Mais vraiment, dans l'ensemble, on est plutôt là sur un personnage qui rush, qui vous tape, qui avance, qui vous tape. Il est vraiment dans quelque chose de puissant et rapide. Et je trouve que ça se sent dans le morceau. Ça se sent évidemment dans la version originale que l'on vient d'entendre, mais je trouve que ça se sent particulièrement dans la version remixée, toujours tirée des mêmes jeux, sortis sur FM Town et 3DO. Et quand j'écoute ce morceau, ça me fait penser aux films que je regardais dans les années 80-90. Ça me fait penser à des films comme Rocky 2, Rocky 3. Il y a vraiment une ambiance très chaud à l'américaine, très mise en avant de la notion de puissance. Ça sent la testostérone, on parle de virilité. C'est le muscle qui parle ici. Quand on quitte le boxeur, quand enfin on arrive à battre Balrog, on doit se déplacer pour aller du côté de chez nous, du côté européen. On va en Espagne, et quand on arrive en Espagne, on arrive face à Vega. Vega qui, du coup, au Japon, s'appelle Balrog. Et quand on arrive face à Vega, c'est une ambiance vraiment particulière. D'abord parce que le personnage vous accueille masqué. Il a une griffe. Bon, d'abord, c'est pas très rassurant, mais les codes que j'avais à l'époque me faisaient penser un petit peu à un chevalier masqué. Bon, il avait pas d'épée, il avait des griffes. Moi, les griffes, ça me faisait référence à Freddy. On était dans les griffes de la nuit. Bon, c'était un boss, donc c'était pas forcément un gentil. Et puis, ce qui est très étrange, c'est que vous arrivez dans un environnement quand même qui est complètement grillagé. Il y a des gens qui ont l'air très contents de pouvoir voir ce match. Ils sont tous sourire, mais ils sont derrière le grillage. Et vous êtes face à lui. Et là, il y a cette musique typiquement espagnole, qui est ultra entraînante. Un petit peu trop à mon goût, la première fois que je me retrouve face à Vega, parce que c'est super déstabilisant. Parce que ça fait quand même super peur. Puis, je vous rappelle, vous jouez vos pièces à l'époque. Vous venez de réussir à battre Balrog. Vous avez quand même mis de l'énergie et de l'argent à l'intérieur. Et puis là, il y a ce personnage qui bouge dans tous les sens. Et il y a ce sentiment qu'à chaque fois que vous le touchez, vous avez l'impression que c'est vous qui êtes en train de vous faire mal.
je n'arrivais pas du tout à comprendre comment j'allais pouvoir toucher l'espagnol. Le morceau de Balrog tout à l'heure incarnait une forme de puissance. Ici, le thème de Vega, il symbolise réellement la rapidité. Vous venez de l'entendre, le morceau, il est ultra speed et il est complètement en adéquation avec l'action. Et puis, si on se souvient bien de ce qui se passait à l'époque quand même, le personnage, à chaque fois qu'il sautait en l'air, il vous attaquait avec ses pieds. Ça faisait vraiment penser à l'époque au dard d'une abeille. Et je pense que ces mouvements ne sont pas pour rien dans l'apparition de certains personnages chez Capcom. Et on aura l'occasion d'y revenir. Ou certainement également sur le choix de certains costumes que l'on a pu voir entre autres dans Ultra Street Fighter 4. Mais il est clair que dès que vous vous approchiez un tout petit peu près de sa jambe ou de son pied, c'était forcément à votre détriment. De temps en temps, il se mettait en boule, on comprenait pas trop pourquoi. Et puis finalement, il speedait pour faire une roulade vers vous qui se terminait avec les griffes. Ou de temps en temps, il faisait une espèce de glissade balayette qu'on ne voyait pas venir. Ce qui fait que vous passiez votre temps à essayer de rester accroupi, à camper. Mais dès que vous campiez, bah, il vous attaquait par au-dessus. Comme Chun-Li, il saute sur les murs pour aller plus haut. Quand vous balancez une boule d'énergie, il l'esquive parce qu'il fait des saltos. On était complètement pris en cage à la merci du personnage. Et une fois que vous aviez commencé à comprendre 2-3 trucs, pour peu que vous aviez un personnage à projectile que vous arriviez à viser juste, est-ce que le personnage tombe dessus ? Le personnage, il faisait autre chose. Il attrapait le grillage, il s'agrippait dessus, il grimpait, il quittait l'écran. Et alors là, ok, vous êtes tout seul à l'écran. Je dis, mais où est-il passé ? Et forcément, vous savez qu'il va revenir. Et vous savez que ça va être douloureux. Et là, quand il revient à l'écran, c'est rapide, c'est fulgurant même. Aucun joueur, la première fois qu'on le rencontre, n'est capable de réagir, ça va beaucoup trop vite. Et là, de deux choses l'une. Ou il enfonce profondément ses griffes dans votre corps, votre barre de vie. Ou il vous attrape, et il vous retourne pour vous exploser le crâne sur le sol du stage. Votre barre de vie. Et tout ça, toujours, c'est cette musique ultra rapide. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la version reprise sur 3DO, par exemple ? Ben, ils ont fait l'inverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des émissions précédentes, mais on parlait de Rolento et du choix qu'avait fait Sega de ralentir la musique. Et ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait pour le thème de Vega.
On a réussi à battre Vega. Et là, on se dirige vers le dernier boss. Et nous voici en Thaïlande. La Thaïlande. Bah ouais, la Thaïlande, c'est le pays du Muay Thai. À l'époque, c'était considéré comme l'art martial le plus efficace. Et aujourd'hui encore, il trône dans le trio de tête. Et là, vous arrivez devant ce Thaïlandais totalement improbable, de plus de 2 mètres de haut, qui a une énorme cicatrice sur le torse, les cheveux rasés, un œil crevé, en garde. Alors évidemment, les plus attentifs et ceux qui connaissaient très bien le premier épisode savent qu'on est devant le boss de fin. C'était celui qu'on avait battu la première fois, il est de retour. On sait qu'il a des boules de feu absolument incroyables. Pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai percuté que Street Fighter 2 était la suite de Street Fighter. Et ça peut paraître bête comme ça, hein. Mais il s'était passé quelques années entre le premier jeu et le second. Le premier jeu, je n'y avais joué qu'en arcade, j'avais jamais eu l'occasion à l'époque de jouer aux versions console. Et là, oui, tout devient beaucoup plus clair, j'incarne le personnage que je jouais déjà précédemment, c'est le boss de fin, je sais que ça va certainement être infaisable en arcade. Bon, bah là, je suis terrifié devant ma borne. Et on voit que le personnage a beaucoup progressé depuis le premier. Oui, évidemment, il continue à lancer des boules de feu. Les Tiger, comme il les appelle. Mais moi, je remarque que quand je me baisse, oh, c'est cool, ça passe au-dessus. Mais là, je me dis, bah, c'est cool, c'est pas grave. Quand je me baisse, je les évite. Et, sauf qu'il a appris à en tirer vers le bas, maintenant. Le Thaïlandais se baisse, il balance ses boules et elles vous touchent directement au niveau des tibias. Aouh. Et puis surtout, je crois que Sagat n'a absolument pas digéré d'avoir été vaincu par le japonais. La marque indélébile, gravée dans sa chair, forgée à coups de shoryuken, c'est un truc qu'il a eu du mal à digérer. Là, il a la dent dure, Sagat. Alors il nous a sorti des petits nouveaux coups. Maintenant, il vous saute dessus quand vous êtes au sol avec son genou. Il paraît qu'il appelle ça le coup de genou du tigre. Mais surtout, c'est en copiant le Shoryuken de Liu qu'il a inventé l'uppercut du tigre. Et bien celui-là, les amis, quand vous le mangez, il faut tout vérifier quand vous retombez. Hein. C'est où est passé le bras, où est passé la rate, est-ce qu'il y a bien toutes les dents, etc. Parce que vous retombez en morceaux. Vous vous souvenez de ce thème composé par Yoshikan's papa ? Ce thème a totalement disparu de Street Fighter 2. Alors totalement, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on entend une sorte de danse lancinante un petit peu derrière. Mais Isao Abe nous a composé ici un thème tout à fait mémorable. C'est donc le deuxième thème pour Sagat. Alors le thème, il sort pas de nulle part non plus. Hein. La trame de fond, la trame de base, on y retrouve quand même quelques éléments qui étaient présents dans le premier thème. Mais on se souvient de ce thème qui est finalement très peu musical. Alors déjà, première étape, il y a certaines choses qu'on va modifier, notamment le thème est beaucoup plus lent. Mais il y a des choses qu'on va garder. On va garder ces petits sons de cloche. On va peut-être même garder ce rythme répétitif. Mais surtout, on va rajouter ce thème emblématique que Sagat va quasiment emmener avec lui partout. Thème de Sagat
de Street Fighter 2, il est entièrement lié au charisme du géant thaïlandais. Il est pour moi aussi important que ce qu'on appelle la signature des mouvements. Il arrive très souvent que quand on arrive au moment de la version réorchestrée dans Rhythm Fighter, j'ai tendance à vous dire à quel point je préfère la version réorchestrée. Pour le thème de Sagat, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Évidemment, les instruments sont plus clairs. Évidemment, la musique est probablement plus agréable à l'oreille pour la plupart des néophytes. Mais je trouve que le thème presque lourd que l'on a dans Street Fighter 2 correspond tellement bien à l'image que j'ai de Sagat, que contrairement à d'autres thèmes qui aujourd'hui, le CPS il est vieillissant, c'est un système qui date du début des années 90, les sons étaient moins propres, tout ce qu'on veut derrière, et c'est vrai que si on n'est pas fan ou féru de ce type de sonorité, je comprends que ce soit plus agréable d'écouter quelque chose de plus récent. Mais vraiment, le thème de Sagat, pour moi, il est vraiment atypique. Isao Abe nous a pondu un thème que je trouve génial. Bon, eh ben c'est bon, on a tué le troisième et dernier boss. On peut regarder la fin de notre personnage, on l'a quand même bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ce visage qui apparaît à l'écran? En plus, il a une drôle de tête là, avec son espèce de chapeau bizarre. Il y a... Quoi? Sagat n'est pas le boss de fin? Ok, alors là, il y a un problème. Là, on arrive dans... Ouloulouloulou, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On arrive dans une étrange arène avec une énorme cloche au milieu. Il y a des moines thaïlandais qui nous regardent. Là, il y a un mec qui est planté de l'autre côté du ring avec une énorme cape et qui bouge pas, qui nous regarde. Non, mais avec le mal que j'ai eu à battre les trois premiers boss, qu'est-ce que... ça va être un truc de malade, je veux dire... Sagat, il balance des boules de feu absolument énormes, en haut, en bas. L'autre, il saute sur les murs. L'autre, il nous fonce dessus. Non, mais clairement, si ce personnage a au moins un des coups des boss précédents, bon, je suis mort, c'est clair.
Si Dictateur s'appelle Vega dans la version japonaise, comme beaucoup de méchants d'ailleurs, dans les jeux ou l'animation japonaise en général, chez nous il s'appelle M. Bison. Très souvent on l'a appelé Monsieur Bison. Et Bison, comme vous venez de l'entendre, il a vraiment un thème atypique. Presque un thème qui emprunte des éléments au cinéma d'horreur de la moitié du XXe siècle. La cloche que l'on entend, ce côté aérien, rappelle que l'on a dû gravir tous les échelons pour arriver jusqu'à lui. C'est lui le véritable boss. Et puis quand on connaît l'histoire de certains personnages, on lui en veut un petit peu. Enfin, je veux dire, il a quand même tué Charlie, le copain de Guile. Il a tué le père de Chun-Li. C'est sur lui qu'enquête Zangief. Apparemment, son organisation est à l'origine de l'accident d'avion de Blanca. Donc, Bison, c'est pas un gentil. Et c'est vrai que dans le gameplay du personnage, on retrouve rien de ce qu'on a vu précédemment. Lui, il balance pas des boules de feu, il se jette vivant sur vous, tout en s'enflammant. Il vient se planter sur votre tête en vous écrasant avec ses deux talons. Il fait des retournées avec des techniques de coups de pied ciseaux, tout va bien. Puis à chaque fois qu'il vous saisit pour vous emmener de l'autre côté du ring, votre barre de vie perd un petit quart comme ça au passage, rien de grave. Si, si, il fait des flammes aussi hein, quand il vous tape dessus pour bien signifier la douleur. Et puis tous ses coups sortent tout seuls et il paraît totalement invincible. Bison, c'est le personnage... Mais alors, il donne quoi son thème une fois qu'il a été réorchestré ? Le thème, il perd dans son côté horrifique, dans le sens où les instruments qui sont choisis ont quelque chose de plus clair, moins fantomatique, mieux défini. Et c'est un peu comme le thème de Sagat pour moi. Je crois que j'ai une préférence pour le thème d'origine. J'aimais bien le fait qu'on voit pas tout à fait les contours des instruments. J'aimais bien qu'on n'entende pas toutes les subtilités, parce qu'il y avait une sorte de bouillie liée au support d'origine. J'aimais bien ce côté un petit peu caché, je vous avouerai. Pour autant, le thème il est très bien, je vous en fais la démonstration tout de suite. Voilà, voilà, nous sommes arrivés au bout de ce voyage, nous sommes arrivés au bout des 12 Street Fighter du jeu d'origine. Rassurez-vous pour les fans de Capcom et de Street, on y reviendra, ça c'est clair, on y reviendra dans de prochaines émissions. Parce qu'évidemment, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les combattants des rues. Et même sur ces thèmes qu'on a pu entendre lors de ces 3 émissions, on aura des choses sur lesquelles revenir, notamment parce qu'il y a eu Super Street Fighter 2, notamment parce que il y a un autre personnage sur lequel il faudra forcément qu'on revienne à un moment ou à un autre. Et puis parce que ces thématiques, on les a retrouvées plus tard dans d'autres jeux, comme la série des Alpha ou la série des Street 4, j'en passe et des meilleurs. Et en attendant, vous pourriez me dire, ok, mais alors très bien, mais de quoi parle-t-on le mois prochain ?
Eh bien écoutez, je vais vous faire une petite surprise et ne pas vous dire tout de suite. Mais par contre, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que officiellement, on va quitter Capcom pour aller voir la concurrence. Juste pour teaser, je ne vais prendre que les trois premières lettres de l'éditeur, et puis vous essayerez de deviner de quoi il en retourne. Nous allons parler d'un jeu SNK. Ah, vous connaissez déjà, d'accord. Peut-être que j'aurais pas dû prendre ces trois lettres-là. Bah, je vous donne rendez-vous le mois prochain, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. En attendant, je vous fais à tous de gros 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 poutous et je vous invite à garder le rythme. Parker. Yatta! Magro.tmdjt.com.